Bonjour mes bien-aimés, c'est un plaisir pour moi, je suis le pasteur Serge Agbeti. Je suis là encore pour vous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est un message d'encouragement. Un message qui va vous faire rebondir. Un message qui va faire tomber des écailles. Un message qui va vous révolutionner. Et ce message, c'est Jésus-Christ qui l'a laissé à ses disciples. Allons simplement dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Jean chapitre 4, le premier verset, la parole de Dieu me dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Vous savez, Jésus va s'adresser à ses disciples parce qu'il était temps pour lui qu'ils puissent partir. Mais ses disciples, avec le temps, ses disciples ont pris l'assurance dans la présence de Jésus. C'est-à-dire quand ils voient physiquement Jésus, ils ont certainement cette assurance. Et quand Jésus les a annoncé que bientôt, il va partir, et il est avantageux pour eux, pour qu'ils partent, pour qu'ils s'en aillent, parce que s'il ne s'en va pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Et les disciples étaient vraiment en panique, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Comme beaucoup se paniquent pour moins de choses. Or, le Consolateur, le Saint-Esprit ne peut pas venir utiliser des personnes qui sont en trouble. Bien-aimé, j'aimerais te dire, qu'est-ce qui te trouble dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à maîtriser dans ta vie? Tant que tu es troublé, le Saint-Esprit n'a pas sa place. Et Jésus a remarqué que il fallait que je m'en aille pour les envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va les conduire dans toutes choses. Mais ils avaient tellement le cœur troublé. Or Jésus savait qu'avec un cœur troublé, le Saint-Esprit ne peut pas opérer au travers de ces gens-là. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait agiter dans la vie? Tu dis oui, tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas dans un cœur qui est troublé. Or, ces disciples devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Or, pour pouvoir recevoir l'Esprit, il faut qu'ils soient en paix. Il faut qu'ils soient ensemble. Il faut qu'ils soient en union. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse les trouver dans eux, avec un cœur paisible. C'est pour cela que le Seigneur les a avertis. Que non, ne soyez pas dans le trouble. Parce que dans le trouble, le Saint-Esprit ne peut pas vous amener. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si aujourd'hui, tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, c'est certainement il y a un esprit de trouble. Et là où il y a un esprit de trouble, le Saint-Esprit ne peut rien opérer. Et vous savez très bien, pour que le Saint-Esprit puisse arriver, les disciples ont réussi à se maîtriser. Les disciples ont compris la mission. Dorénavant, ils étaient tous dispersés. Mais Jésus-Christ a compris, tant qu'ils ne sont pas unis, tant qu'ils ne sont pas ensemble, le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans leur vie. Tant que ce qui les trouble n'est pas parti, le Saint-Esprit ne peut pas opérer dans leur vie. Et c'est alors qu'ils sont partis dans la chambre haute. Bien-aimés, je dis bien, ils sont partis tous unis dans la chambre haute. Le Saint-Esprit veut utiliser quelqu'un. Mais tu es troublé dans l'église. L'église, tu es troublé. Et le Saint-Esprit n'arrive pas à trouver sa place en toi. Bien-aimé, je veux t'encourager pour dire, tu es la bonne personne que le Saint-Esprit doit utiliser. Écoute-moi très bien. Je dis bien que tu es la bonne personne que le Saint-Esprit va utiliser dans tes affaires, dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église. Mais parce qu'en toi, il n'y a pas la maîtrise de soi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui te trouble encore à nouveau. Jésus va dire à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. S'ils sont dans ces conditions, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Bien-aimé, qu'est-ce qui te trouble dans la vie? Qu'est-ce que tu as reçu? Vous savez, l'Esprit que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit. Et le fruit du Saint-Esprit, il n'y a pas l'esprit de trouble. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être troublés. On a annoncé à des disciples que Jésus va partir. Ça y est, la panique à bord. En tant qu'enfant de Dieu,
Bien-aimé, les fruits du Saint-Esprit, il n'y a pas l'esprit de trouble dedans. Mais au contraire, il y a l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de la maîtrise de soi, l'esprit de fidélité, l'esprit de la tranquillité et du silence surtout. Dieu veut utiliser son peuple. Mais regarde ta vie. Qu'est-ce qui te trouble? Aussi longtemps que tu demeures dans le trouble, le Saint-Esprit n'a pas sa place. Aussi longtemps que tu demeures dans le trouble, chanter ne peut pas libérer l'onction. Aussi longtemps que tu es dans le trouble, prêcher l'évangile ne peut pas libérer l'onction. Qu'est-ce qui te trouble? C'est la vie qui te trouble. Alors il faut que nous trouvions une solution. Parce que le Saint-Esprit veut utiliser quelqu'un. Bien aimé, allons dans le message de Dieu, dans le livre de 2 Timothée, que j'aimerais vous lire, pour que nous comprenions l'esprit que nous avons reçu. Dans 2 Timothée, chapitre 1, en premier, le verset 7, que nous dit la Bible? La Bible dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, enfants de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ. » L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de trouble pour que tu sois encore dans les troubles. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Vous savez, l'esprit de timidité, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'assurance. C'est une assurance ferme. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent cette assurance. Il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent pas à apprendre, être audacieux. L'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit d'audace. C'est vraiment un esprit d'audace. Et Dieu nous appelle à être audacieux. À ne pas trembler devant les faits, devant les situations. Un enfant de Dieu qui a reçu l'esprit de Dieu. Vous savez, quand Pierre a compris ces choses, il a dit non. Je ne peux pas être dans le trouble. Parce que le Saint-Esprit n'utilise personne qui soit dans le trouble. La parole me dit, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis tous de l'esprit de trouble. Sur le chemin, ils ont vu un aveugle. Ils ont dit, nous sortons de notre esprit de trouble. Et maintenant, nous te disons, toi aveugle, toi paralytique, ce que nous avons, ce n'est plus un esprit de trouble, mais c'est un esprit d'assurance. Bien-aimé, ce qui te manque en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette assurance. Le Saint-Esprit donne l'assurance. As-tu l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit nous amène à être audacieux dans la vie. Pourquoi échouer une fois? Nous échouons parce que nous sommes timides. Nous échouons parce que nous n'avons pas l'assurance en nous-mêmes. Un enfant de Dieu qui perd son assurance. Quelle est notre capacité en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta capacité? L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Pourquoi as-tu peur? Vous savez, la Bible me dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Quand tu reçois l'esprit de force, cette force te propulse. Cette force t'amène de l'avant et non en arrière. Cette force te propulse à aller de l'avant, à ne pas lâcher prise. Cette force ne te fait pas fléchir les genoux devant une situation. Mais cette force te donne la capacité. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Et quand tu as cet esprit de force, bien-aimé, rien ne peut t'intimider. Qu'est-ce qui t'intimide aujourd'hui? Les petits démons là, la ville dans laquelle tu es, la maison dans laquelle tu es, les maris, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, pasteurs, qu'est-ce qui t'intimide aujourd'hui? Mais bien-aimé, qu'est-ce qui t'intimide? Mais la parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit d'intimidation. L'esprit t'influence, te dit que tu n'arriveras pas en tant qu'enfant de Dieu. Où est ta force? Devant les entreprises, tu trembles. Même pour passer ton permis, tu n'as pas l'assurance en toi. En toi, que celui qui est avec toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois as-tu échoué? Parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Combien de fois as-tu échoué dans tes entretiens? Parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions.
Combien de fois as-tu échoué devant une personne parce que tu n'étais pas maîtrisé? Tu t'es laissé aller. Les mots mauvais sont sortis de ta bouche. Regarde aujourd'hui, à cause de ces mots mauvais, regarde ce que tu as récolté. Tu as récolté la maîtrise de soi. Voilà l'esprit que nous avons reçu. La parole déclare dans le livre de Romains 8, au verset 15, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Non. Bien aimé, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te rend capable. Quelle affaire tu veux faire et que cela ne peut pas marcher? Quand le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, tu n'es plus troublé par quoi que ce soit, par une circonstance, quelle que soit la chose. Le Saint-Esprit te rend capable. C'est une force qui te propulse à aller de l'avant. C'est une force qui te fait sortir de la peur. Les disciples étaient dans le trouble. Mais Jésus savait très bien qu'avec cet esprit, ils n'allaient jamais aller loin. C'est pour cela qu'il dit, non, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte. Tu es craintif par rapport à quoi? Par rapport à ta situation? Par rapport à ta santé, tu n'arrives pas à oser. Où est l'esprit de Dieu en toi? Où est ta foi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cette foi en toi pour pouvoir oser. Un enfant de Dieu ne baisse pas la tête. Un enfant de Dieu ne baisse pas les yeux devant les situations. Mais un enfant de Dieu a reçu un esprit de force. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est une identité. Et cette identité est incontournable. Personne ne peut l'affronter. Personne ne peut l'abattre. C'est une puissance. La parole déclare que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de sagesse. Un esprit d'amour et de maîtrise de soi. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Et lorsque tu es agité par l'esprit de trouble, tu n'arrives plus à aimer. Parce qu'il y a un esprit qui te trouble. Qui te trouble vis-à-vis de l'assemblée. Vis-à-vis d'un frère. Vis-à-vis d'une sœur. Qui te trouble parce que tu as la démangeaison. La démangeaison de voir quelqu'un réussir. Bien-aimé, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de puissance. Je dis bien, c'est un esprit de puissance. Et Dieu t'appelle à être puissant, comme il nous le dit dans le livre de Psaume. Ce n'est pas à nous de craindre les choses de ce monde. On te dit quoi? Tu es dans une maison et on t'intimide. On t'intimide que tu n'arriveras jamais, que tu ne réussiras jamais, que tu ne te marieras jamais. Que ton ministère n'ira pas de l'avant. Que tu seras toujours dans les quatre murs. Que tu ne sortiras pas la tête. Qui t'a dit? L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force. La parole déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Paul l'a dit très bien. Il puis tout. Il n'y a aucune ville où Paul ne peut aller sans réussir. Personne ne peut mettre la main sur lui. Il n'a peur de personne. Sors de la peur. Sors des propos négatifs. Sors de cet esprit qui te rend créatif et que tu n'arrives pas à oser dans la vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, mais qui sait oser. Même s'il sait que là où il va, les gens n'arrive pas, lui, il peut entrer et il peut aller. C'est ça l'esprit que nous avons reçu. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, tout ce que Dieu t'appelle à être, c'est être fort, quelles que soient les circonstances. Bannis la crainte. Bannis la peur. Tout est possible à celui qui croit. Crois-tu que tu as reçu l'esprit de Dieu? Ce n'est pas un esprit de peur. Pourquoi tu es dans la peur tout le temps? Pourquoi tu penses que demain tu vas mourir? Pourquoi tu penses qu'après demain, ton entreprise ne marchera pas? Pourquoi tu penses que demain, ton foyer ne tiendra pas? Pourquoi tu penses que demain, quelqu'un va te quitter, tu seras dans la solitude? Tu es animé de quel esprit? Esprit de trouble? Ce n'est pas ça. Mais les fruits de l'esprit, il n'y a rien de négatif dedans. Pourquoi tu crois que demain, ta vie ne marchera pas? Pourquoi? Bien-aimé, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de force. C'est une force qui nous propulse, qui nous fait traverser les montagnes,
qui nous fait sauter les situations et qui nous amène à aller loin, à viser loin, à avoir une grande vision. À avoir une grande vision. Il est temps que tu sors de cet esprit. Il est temps que tu mettes une barrière, une fin à tout ce qui t'intimide dans la vie. Je suis arrivé à la fin de ce message et j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Tu peux répéter après moi, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai compris que j'étais craintif. Il y avait l'esprit de trouble qui me faisait croire le contraire par rapport à tes promesses. Mais à partir de maintenant, j'ai compris que je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour faillir tout le temps. À partir de maintenant, je reçois l'esprit de force. Je reçois l'esprit d'amour. Je reçois l'esprit de maîtrise de soi. Et à partir d'aujourd'hui, les manques d'assurance, les manques d'audace, je les renvoie de mon corps. Je les renvoie de ma maison. Je les renvoie de mon ministère. Je les renvoie de mon église. Je les renvoie dans tout ce que je fais. Et je me réveille de l'assurance. Je peux maintenant, à partir d'aujourd'hui, déclarer que je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'échouerai plus. Je n'ai plus peur. Ce qui m'intimide, prend fin maintenant. Tout esprit d'intimidation, tu n'as plus place en moi. Ce que Dieu a dit dans ma vie, cela va se réaliser. Quel que soit son temps, quel que soit son temps, cela va se réaliser. Si tu as fait cette prière avec moi, remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu de ce que, dans ta détresse, il t'a répondu. Les disciples étaient dans la détresse, ils étaient dans le trouble, et le Seigneur les a répondu. Le Seigneur les a envoyé un message d'encouragement en leur disant que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais te dire, ne sois plus dans l'intimidation par les paroles de ta famille. Ne sois plus dans l'intimidation par les esprits de mort, par les esprits de Marie de nuit, par les esprits de Mamuata. Ne sois plus dans l'intimidation par ce que te dit ton patron. Ne sois plus dans l'intimidation par les menaces de qui que ce soit. Ne sois plus dans l'intimidation, mais sors. Tu as reçu un esprit de force. La parole déclare, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Crois-tu cela? Si tu crois, alors retourne. Retourne, retourne et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Serge Agbeti. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ebenezer Ministry Adassa. Motema Yanzambe organise Adassa Meeting 2017. Ce sera du 2 au 4 juin à Amsterdam. Sous le thème, les talons de la femme écrasent la tête du serpent. C'est dans Genèse 3:15. Adassa Meeting 2017. Avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Venez participer à ces moments de prière, des louanges, d'adoration et de délivrance. Une seule adresse, NH Hotel, Schiphol Aéroport à Amsterdam. Adassa Meeting 2017. Ne manquez pas ces moments inoubliables dans la présence de Dieu. Et paya Adassa le boko nzambe ezali. Po ezali motema ya nzambe. Adassa Meeting 2017. Pour tout contact, pour information, faites-le plus 31 6 26 88 31 01. Si vous voulez nous écrire, ce sera sur notre boîte mail mireilleadassa@gmail.com. mireilleadassa@gmail.com. Sans oublier notre site internet, les 3xw.mireilleadassa.com. Les talons de la femme écrasent la tête du serpent. Boya ebele, 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 le boko ya nzambe ezali kuna. Avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Adassa 2017, du 2 au 4 juin à Amsterdam. Adassa Ministry, le cœur des dieux. L'évangéliste Béyoussiel Béatrice
est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes et chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pacte TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béoutiel Béatrice et c'est sur Pactol TV. Pactol TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Suivez Pactol TV sur Orao Télécom. Pactol TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom. Et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et CanalSat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. Artistes chrétiens, servante et serviteur de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion et faites-le chez Pactol TV. Dans l'émission, voici mon œuvre. Vous êtes évangéliste, vous avez appris un discernement spirituel. Amen. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leur ministère et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kuka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactole TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens.
Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolestudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactole TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la vie.